La véritable interprétation qu'on doit faire de l'Apocalypse, ce n'est pas de le traduire par le mot catastrophe. L'espérance est partout présente dans l'Apocalypse. Et c'est pourquoi j'ai traité aussi mes tableaux avec beaucoup de lumière. Même dans les tableaux les plus tragiques, il y a toujours une lumière qui surgit. J'ai modifié ma façon de peindre parce que je pense que c'est peut-être dû à une certaine urgence d'expliquer, de dire ce que je vis à l'intérieur. Alors, on dirait que je suis toujours en train de partir vers quelque part. Alors, mes personnages, c'est la même chose, c'est très, très dynamique. Et puis, j'aimerais ça que les gens fassent le même cheminement que moi. Nécessairement, il faudrait qu'ils viennent plus qu'une fois visiter, parce que chaque tableau est comme un livre. Alors, découvrir un livre, il faut tourner les pages souvent, souvent, souvent. Caresser le texte du livre, sans toucher au livre.